Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour celles et ceux qui cherchent une alternative meilleur marché aux brossettes interdentaires. Je ne vais pas m'étaler, je pense que tout le monde connaît ce genre de produit. Ça, ce genre de brossettes interdentaires, dans mon hypermarché du coin, et dans tous les hypermarchés de France, c'est extrêmement cher. Ça coûte environ 5 euros les 4 brosses ou les 5 brosses. Ça, là, ça coûte 1 euro, 1,20 €. Je trouve ça extraordinairement élevé. J'en ai marre d'acheter des trucs comme ça. J'ai cherché une alternative et j'ai trouvé sur Amazon ça là. C'est des cure-dents. C'est un cure-dent en plastique. Je peux pas m'approcher plus à cause des caractéristiques de mon capteur caméra. La partie que j'utilise, c'est celle-ci. Là, il y a une extrémité. Alors, c'est en plastique, donc c'est moins dangereux que les cure-dents en bois. Parce qu'avec les cure-dents en bois, en fait, il y a toujours un risque déjà de s'abîmer la gencive. Je n'utilise pas de toute façon cette partie, j'utilise que celle-ci. Et les cure-dents en bois aussi, il y a le risque quand on avale un morceau. Et puis, cure-dents en bois, c'est qu'il y a un risque aussi qu'on insiste trop. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas chirurgien maxillofacial non plus. Mais tout ça pour vous dire que je me suis acheté sur Amazon, j'ai trouvé ce produit-là, trois boîtes comme ça, de mémoire, que j'ai acheté en août 2021. Et là, nous sommes en décembre 2021. Voilà tout ce que j'ai consommé de mes trois boîtes. Donc économiquement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et en fait, je vous le dis, après un sérieux retour d'expérience, j'ai un rétex de plusieurs mois. Moi, je fais deux repas par jour et j'utilise exclusivement que ça depuis août. Donc août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 5 mois, un rétex de 5 mois. Ça, c'est beaucoup moins cher et c'est mieux que ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux que ça. Ça, parce que ça perd extrêmement rapidement son confort d'utilisation. J'ai l'impression. En fait, ça, c'est des petits poils en nylon qui sont emprisonnés, torsadés par un fil en métal. Mais j'ai l'impression que ce fil en métal, il est en métal oxydable. Donc en fait, dès la première utilisation, contact avec l'eau, il commence à prendre cette forme bizarre. Et une fois qu'il a commencé à avoir il a perdu la forme d'origine, pour te le remettre dans la bouche, tu peux te faire mal, c'est vraiment pas agréable. Ça, c'est du plastique, tout est en plastique. Et je trouve la brossette ici, là, tout aussi confortable, sinon plus que celle-là. D'ailleurs, vous voyez bien qu'elle est plus large à certains endroits. Elle est carrément deux fois, voire trois fois plus large. Et je ne suis pas obligé d'en utiliser un par repas. Comme je disais, je fais deux repas par jour. À chaque fois, j'utilise, avant de me brosser les dents, j'utilise ça pour les interstices interdentaires. Et ça me dure 3-4 jours, ça dépend. Alors, en fait, ça me dure aussi longtemps que ça, d'ailleurs, hein, voire même un peu plus. Alors, c'est absolument pas un placement de produit. Je vous montrerai les références du produit que moi j'ai commandé. Mais j'imagine qu'il y a plein de marques différentes. Mais moi, je vous montre que celui que j'ai acheté. Je ne vais pas vous montrer un produit que j'ai pas acheté, que j'ai pas testé personnellement. Et donc, je vous disais, je me suis trompé. C'est pas trois boîtes, c'est quatre boîtes que j'ai eues pour 12 euros. Alors, faites le calcul. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant que ces brossettes interdentaires là, vendues à prix d'or. Quatre boîtes pleines comme ça à 13 euros, 12,97 € un truc comme ça. Et depuis août, donc en 5 mois, voilà tout ce que j'ai mangé d'une seule boîte. Les autres boîtes, elles sont pleines. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, vous donner plus de détails, parce que je pense que c'est à chacun, en fait, de tester. Hein. Vous n'avez rien à perdre. Si vous vous faites régulièrement prendre par une vache à lait par les hypermarchés en payant 4-5 brossettes interdentaires comme ça, 5 euros, je pense que vous pouvez tester ce produit. Je vous invite à le tester. C'est absolument pas un placement de produit. Je vous mettrai des sources dans la description. J'ai essayé d'écouter un petit peu ce que disaient certains médecins. Malheureusement, les rares médecins qu'on trouve sur YouTube ou qui sont passés à la radio, ils donnent jamais leurs sources. Donc, on ne sait pas si c'est des informations qui tirent de leur chapeau, si c'est des impressions, si c'est tiré d'un article scientifique, si c'est tiré d'une méta-analyse de la littérature scientifique. Et je sais que parmi vous, il y a des dentistes, il y a des chirurgiens maxillofacial, et souvent, les médecins en interne ou entre eux, enfin des professionnels du domaine, ils ont des bons plans, et des fois des bons plans pas chers, parce que ce n'est pas forcément les trucs les plus coûteux qui sont les plus efficaces en fait. Donc si vous avez des bons plans, des conseils, manifestez-vous dans les commentaires s'il vous plaît. J'espère que ça vous permettra de faire des belles économies tout en évitant les caries sur les faces interstitielles, parce que ça, c'est les caries parmi les plus vicieuses. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez accumuler des connaissances pratiques pour être capable de réagir le plus rapidement et protéger votre santé et celle de vos proches, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube, puisque c'est une des thématiques piliers. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle.
Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers une série thématique dédiée. Veillez à sa santé et à celle de ses proches qui indexe et regroupe plein d'informations pratiques fort utiles pour veiller sur soi-même et sur ses proches.